avec le sable en dessous. Et normalement, si je dis pas de bêtises. Non! Eh bien, salut tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je pète la forme et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour le lancement de ma nouvelle série Skyblock version hardcore, motherfucker. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles règles qui vont enfin s'introduire au Skyblock. Pour ceux qui auraient déjà vu ma première série, Skyblock, c'était assez soft, c'était de la déco. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour niquer du cube bien comme il faut, solide, en mode vraiment difficile. Il y a quelques nouvelles règles en haut qui vont changer sur ce Skyblock version hardcore. Donc, en gros, le fait qu'on perde intégralement le stuff dès qu'on décède. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur votre parcelle d'île et que vous mourrez dessus pour X raison, votre stuff ne va pas apparaître sur la parcelle, il est parti dans le cosmos, tu vois, il est parti très loin en fusée, il est fini, désintégré. Donc ça c'est une des règles qui va vraiment rendre le jeu assez difficile, dans le sens où il faut vraiment essayer de jouer stratégie, ne pas se balader avec tout ton stuff full diams ou je ne sais quoi dans l'inventaire, afin d'éviter. Ensuite, il y a les usines qui sont 3 fois plus lentes. Donc les usines, qu'est-ce que c'est? Les usines, c'est par exemple tout simplement la récolte de blé, la récolte de... la récolte de canne à sucre, s'il vous plaît, pas de lapsus. les récoltes de noix de coco ou quoi que ce soit d'autre encore, tout ça sera 3 fois plus lent. Ensuite, il y a les niveaux qui sont beaucoup plus durs à monter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept, donc je suis sur le serveur de YCraft, tous les liens et adresses sont dans la description. On a en fait notre île qui a un niveau. Donc dès qu'on pose un bloc sur cette île, elle va gagner en niveau. Donc imaginons qu'on pose 10 blocs de diamants sur l'île. L'île en temps normal va être peut-être niveau 10. Là maintenant, par exemple, pour que l'île soit niveau 10, il faut peut-être poser 20 blocs de diamants. Et vous allez me dire à quoi servent les niveaux? Bah les niveaux servent tout simplement à débloquer les challenges. En gros, ce sera notre objectif de cette série, de réaliser les challenges proposés par le serveur. Mais ça, je vais y revenir juste après. Et enfin, le fly mode est désactivé. Donc c'est ce qui va vraiment rendre la chose un peu plus compliquée. Donc ensemble, maintenant, on va s'intéresser rapidement, comme je vous l'ai dit, au challenge comme je vous en ai parlé avant. Ça sera vraiment notre mission ultime de cette série, ça va vraiment marabouter salle du cube. Donc du coup, ici comme vous pouvez le voir, on a tous nos niveaux débutants, donc c'est notre premier objectif hein, de cette série. Par exemple, créer un bloc de verre, cuisiner 21 pains, etc., etc., etc. Il y a plein de petits défis. Et il y a le niveau builder, donc, dont je vous ai parlé avant, où il faut atteindre le niveau 20 avec notre île. Donc on peut le lire juste ici à droite. En ce qui concerne ensuite, il y a plein d'autres défis. Donc une fois qu'on a débloqué tous ces défis, on débloque les défis challenge intermédiaires. Ensuite, une fois qu'on a fini cet intermédiaire, il y a le confirmé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et notre but sera plus ou moins de tous les faire. Alors peut-être que ça sera fait en plusieurs séries. Donc enfin, ça sera toujours du Skyblock Hardcore, mais genre... saison, pardon, pas série, plusieurs saisons. Je me disais aussi, je badais, je dis, mais attends, mais comment on dit pas plusieurs séries, on dit plusieurs saisons, évidemment. Mais oui, on a du mal à se mettre mal à bouter là ce matin, c'est difficile. Donc du coup, oui, ça sera peut-être fait en plusieurs saisons, peut-être 2-3, je ne sais pas, parce que c'est vrai que les challenges sont quand même assez longs à réaliser. Donc soit je proposerai de faire ça en plusieurs saisons, et à ce moment-là, il y aura vraiment quasiment l'intégralité du Skyblock, ou alors je ferai pas mal d'ellipses dès qu'il faut, enfin, d'ellipses, dans le sens où pas mal d'heures antennes dès qu'il faudra récolter pas mal de ressources ou autre. Bon. Maintenant c'est parti, on est parti sur notre island. Mushroom 01, voici votre île, ne tombez pas, regardez comme on est magnifique. Regardez comme on est magnifique, ça mérite un screen, ça mérite un screen. Comment on fait? On va faire un petit F12. C'est parti, on a fait un screen. Et donc du coup on se retrouve sur une toute petite île. Ma foi très très sympathique avec un chien. Tu veux un chien? Ok. T'es la merde, tiens des... Tiens voilà. On est trop chaud! Bon, du coup, les gens, c'est parti! On va commencer dès maintenant à accomplir nos petits objectifs respectifs. Donc, on va d'abord essayer de farmer, de réaliser une magnifique machine à cobblestone, histoire qu'on puisse récolter un max de cobble, parce que dans notre premier challenge, il faut récupérer 64 de cobblestone. Alors, petit rappel aussi, au spawn, on a un espèce de shop avec des pancartes, un système très intéressant où on peut vendre nos ressources et également en acheter. Donc, pour en acheter, il faut des pépites. Ces pépites, on les gagne ou en réalisant des challenges, ou alors en réalisant des challenges tout simplement, ou alors en vendant des ressources qu'on a récoltées. C'est un petit système en gros d'échange, parce que par exemple, voilà, vous voyez là, il n'y a que de la terre sur notre parcelle, il n'y a pas trop de diamants, de fer ou quoi que ce soit, donc c'est un petit peu compliqué de devoir développer son île seulement avec ça. Donc forcément, il y a ce système qui nous permettra de... Alors attendez voir, je récupère juste toute la terre.
un peu divertir les blocs qu'il y a sur notre île. Je sais pas si c'est divertir, c'est diversifier plutôt. Divertir, c'est pas trop divertir les blocs. En fait, c'est pas trop des personnes humaines, t'as compris? Ok, donc là, on a posé un peu une pancarte sur un coffre. C'est pas trop ce qu'on voulait faire, l'ami. Et notre coffre de bienvenue, mais bien sûr, voilà, on l'avait oublié celui-là. Il y a pas mal de choses sympas dedans, vous inquiétez pas. Tout le monde a le même stuff. Voilà, parfait. Bon. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Alors, on va récupérer ça. Ça aussi. On va essayer de faire les choses proprement. Donc, ce que je vous propose, c'est que puisqu'on a déjà du bois, on va se faire une table de craft. On va la poser là-dessus. Bim. On va se faire en même temps un petit stuff comme ça, là, parce qu'on a quand même 3 diamants, les gens. Donc, je propose qu'avec 3 diamants, on se fasse une pioche. Et oui, une petite pioche. On va essayer de récupérer toute cette cobble. C'est parce que c'est quand même important. D'accord. Je vois que... Ouais, ok. D'accord. Hein, toi-même, tu... Ok. C'est pas grave. Bon, alors, comment on va faire? Alors, il faut qu'on essaye de... Ok. J'ai l'impression d'être un peu en galère totale, là. Alors. On va se faire le sol à cette hauteur. Moi, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. On va d'abord poser de la dirt. Et ensuite, par suite, on posera un peu de cobble. Alors là, il y a du fer à récupérer. On va faire les choses bien. On se dit qu'aujourd'hui, on a envie de faire les choses bien. Donc, on va faire les choses bien. Alors, du fer. Ok, 1, 2, 3. Parfait. Alors, est-ce qu'au-dessus, c'est... Ah oui, au-dessus, il y a la lave, effectivement. Heureusement qu'elle nous est pas tombée dessus, parce que je dois vous avouer que si elle nous serait tombée dessus, j'aurais eu un peu le seum. Alors, ici, de la glace. Voilà. Et on va essayer d'irriguer maintenant un peu tout ça. Alors, comment on peut faire? Déjà, on va essayer de récupérer cette dirt aussi. Voilà. Ok. Alors, ensuite. Bon, les fils derniers, ça va être un peu chaud pour les récupérer. Alors, attendez, on va remonter à la surface pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, maintenant, il faut une machine. Cobblestone. Voilà. Alors, donc, je pense que ça, on peut le récupérer, logiquement. Ça aussi. Voilà. Il me semble qu'avec une épée, ça marcherait un peu mieux. Hein. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. On va juste essayer de récupérer tout ça. Voilà, parfait. Alors, un bloc d'eau volant. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien les blocs d'eau volant. Alors, attendez. Si je pose un bloc comme ça. Voilà. Avec deux vers le haut ici. Ensuite, il me faudra un truc du style... Bon, alors attendez, est-ce que j'essaierai pas de récupérer? Non, d'accord, c'est dommage. C'est ce que je craignais. D'accord, on a encore perdu un autre thème. Ça devient un chouïa embêtant. On va éviter de se faire toucher par la lave. Alors, bon, à ce que je vois... C'est un peu plus compliqué que prévu. Alors. Bon. Comment on peut faire ça? On va essayer de casser juste celui-là en dessous. Ok. Alors, je sais pas s'il y a de la terre en dessous de celui-là. Au pire, il y a de l'eau, donc on n'est pas mort. Voilà, très bien. Très bien. Alors, si là, c'est l'eau. Avec le sable en dessous. Et normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc du coup, là, on est un peu embêté, les gens, je vous avoue. Je m'attendais pas à... Alors, attendez, y a pas un truc du style... Non. Comment on peut faire? Là, on va être très très dans le mal, en fait, parce qu'on ne peut pas récolter notre cobblestone comme il se doit. Ça commence très bien, j'adore. Bah du coup, ce que je peux proposer, c'est que... On n'a pas vraiment besoin... Ok, alors là, ça va être le challenge de ouf. Heureusement qu'il y a cette eau. Heureusement qu'il y a cette eau vers l'infini qui nous a tout complètement sauvés. Oh!
Je me rends compte que si là on était tombé, mais les gens c'était fini, mais c'était fini, on faisait plus rien, on avait aucun item sur nous, là l'île était finie, perdue, hardcore là, mais c'était dès le premier épisode, hein, non mais laisse tomber. Bon alors attends, on va faire comment? Ce que je peux faire, c'est peut-être casser cette eau, parce qu'en vrai elle nous sert absolument à rien. On va poser un sapin, de la poudre d'eau. Pourquoi il fait le malin là, ne pas vouloir pousser en zut? Mais. Alors en plus, toute mon eau se suicide depuis avant, c'est pas très folichon ça. Voilà, alors moi je serais chaud limite à casser cette irrigation, puisque honnêtement elle nous sert plus à rien. Concrètement, elle nous sert plus à rien. Donc je me dis qu'on pourrait peut-être la casser. Alors attendez voir, j'ai un autre sapin qu'on va poser par... Je sais pas. On est quand même très très embêté dans le sens où effectivement, là les gens, le seul moyen pour qu'on fasse quelque chose, c'est que cette pousse de sapin qui pousse en fait. Hein. Attends, on va voir, on va regarder si on peut échanger quelque chose là, juste une obsidienne dans le genre. Si on peut échanger... Non. Non plus. Je ne crois pas non plus. Ça va être embêtant. On n'a pas de gold. On n'a rien du tout. Alors, gardons notre sang-froid. On n'a pas besoin de cette eau. De toute façon, l'eau, si jamais, on peut la racheter pour une seule pépite. Donc ça prendra un peu plus de temps que prévu, les gens. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Un peu beaucoup, parce qu'on a réussi à casser notre machine à cobblestone. C'est impressionnant à quel point on est mauvais. On va essayer de récupérer au moins notre table de craft. Voilà. Voilà, poser ça là-dessus. Là, voilà. Là, c'est bien. Un sapin ici. On a du sable. Alors, ce qu'on peut essayer de faire... On ne pourra pas le faire. Pas le choix. Bon, alors on va faire 1 et 2. Tac, tac. Alors, canne à sucre, on pourra pas la poser tout de suite. Par contre, on va pouvoir poser du cactus. Donc, tout ce qu'on a à faire, ça attend que le cactus pousse et que le sapin pousse. J'espère que vous êtes sur la patate braise là, parce que si on n'est pas prêt de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Bon, alors du coup, ce que je propose, c'est que ouais, y a pas grand chose à faire du coup. Moi, je vais juste étendre le petit bloc par là. Voilà, par 3. 1, 2, 3. On va se faire. On a déjà deux bâtons. On va se faire une houe. Ça, on va le déplacer un peu derrière. Voilà. Attends, on va poser ça là. Le sapin, on va le poser par ici. Est-ce que là, par hasard, si on pose un truc du style... Ça peut tenir le coup ou pas? Bonne question. Bon, bah du coup les amis, je vous propose de faire une ellipse. Et bien re tout le monde, donc on se retrouve sur l'île du désespoir. Avec pas mal d'embûches, on va dire. De bûches, t'as vu? Ouais, bref, ok, c'est bon, ça. On va s'arrêter là, c'est bon, je n'ai rien dit. Bon, alors, comme vous avez pu le voir, on a quelques petites pousses qui ont un peu évolué. On a réussi à récolter quelques sapins à plusieurs reprises. On a quelques poudres d'eau, on a pu se permettre d'en acheter. Il y a quelqu'un qui m'a donné très très généreusement une pépite d'or pour essayer de me dépanner un petit peu sur le début de série. Et en fait, les gens, j'ai été vraiment très stupide. Regardez pourquoi, j'y ai pensé juste à l'instant. C'est pour ça que je viens de reprendre le record alors qu'on est en grosse déception de quoi que ce soit. C'est qu'il faut faire en fait une vitre. Donc du coup il nous suffit... Ah bah non, j'en suis complètement tabé. Il faut un four pour faire cuire du sable. Bah du coup ouais, c'est bête. Il me faut 8 de pierre et je les ai pas. Du coup,
coup, c'est assez embêtant quand même, faut se le dire. Hein. C'est assez très très l'embêtement du coup. C'est très très très. Comment on peut faire ça? Pas trop en fait, faut se le dire. C'est compliqué. Ça va être compliqué dans le sens où. Slash challenge. Rapidement si on regarde. 21 pains, 32 bouts de cactus. Crafter 21 pages. Créer un générateur et miner 64 cobblestone. Collecte 64 graines de pastèque, de citrouille et de blé. Donc autant dire que ça, c'est la violence. Cuisine 18 blocs de soupe de champignons. Il niveau 20. Compléter cette challenge débutant pour débloquer ce niveau. Bon. Si on va rapidement au spawn, si on regarde, peut-être moyen de faire un troc. Peut-être moyen d'échanger une pioche en diamant contre quelque chose. Enfin, non, on ne peut pas échanger une pioche en diamant au spawn, mais je veux dire contre un autre joueur. Pour moi, vous voyez, c'est un peu la déception. On a rien de tout ça. 16 cannes à sucre pour une pépite. Alors, ça peut nous sauver. Le reste se reste assez tendu. Ou 16 cactus. Donc, du coup. Bah ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. En gros, si vous voulez regarder, dans le Nether, on peut s'acheter pour 2 pépites d'or un seau de lave. On a déjà un seau d'eau qu'on a pu pareil récupérer à l'aide de la pépite, de la petite pépita. Mais sinon, ce qu'on va faire, c'est un massacre de vaches, les gars. Si on fait un massacre de vaches, on peut avoir pas mal de loot. Et du coup, c'est vrai que je réfléchis pas assez, mais c'est vrai que là, du coup, ça c'est vraiment le free farm. Le free farm de la destinée, là on aura vraiment masse de trucs. Je crois que tous ces loot là on peut les échanger ensuite au spawn. Heureusement qu'il y a un générateur assez intense de vaches qui rient. Alors on va juste récupérer tout ça les gens. On se motive, on malaboute, on malaboute. On chasse la gazelle du diesel. On chasse la gazelle. Voilà, ça c'est bien. Alors on a 47 bœufs, on a 22 cuir. Je crois que ça on peut faire des pépites avec ça. Heureusement qu'on a une pioche en diams qui dépèse pas mal hein, parce que là si on devait frapper à la main on serait un peu en PLS total. On serait en grosse PLS. Allez voilà, ça c'est fait. Alors j'aimerais juste aller regarder au niveau des loots. Je crois que ça spawn quand même en masse les vaches. Bon, tant qu'il y en a, écoutez, tant qu'il y en a, on va pas se priver. Tant qu'il y en a, on se fait plaisir. De toute façon, on est là pour ça. Voilà. Je me sens vraiment un serial killer dans l'âme là. Pour une fois que j'arrive à tuer du monde en PVP. Un PVP là, du coup, ça reste du bon vieux PVE. Mais bon, alors voilà, ça décède encore. Je crois que là, on a un stack de... Oh, on a des stacks de buffs énormes et secs. Ça, c'est parfait. Même si on préférait manger de la dinde avec du bon riz. Alors voilà. Dam. Toi aussi tu meurs. Aussi. Je crois que ça spawn encore en masse, mais ça c'est bien. Je crois qu'elles sont toutes décédées là. J'ai pu profiter vraiment là du respawn de vache. Voilà. C'est là où en fait il récupère rien et je suis juste en fait un gros tueur. Voilà. Encore une vache. Ok, c'est bon. On est à 64 cuir. Alors, regarde rapidement si on regarde. Si on regarde ce qu'on peut acheter, échanger. Alors, est-ce que là il propose déjà canne à sucre, cactus, cacao, viande de zombie, os, poudre de creeper. Et là, si maintenant tu as sûrement quelque part un truc où ils veulent du cuir. Non. Oh les gens, c'est bon, on est bien, c'est bon, on est relancé. Là, on va voir pas quelque chose dans cet épisode, ça me fait quand même plaisir. Je suis chaud. Alors, deux, on en fait un. Notre pseudo, il est déjà au spawn. Bloc. Je vais prendre de la cobble, s'il vous plaît. Je veux de la cobble. Alors, 32 cobble. Putain, excusez-moi, je déternue comme de la merde. Donc cobble on a, il nous faudrait encore peut-être du sable, ça ferait plaisir. On va se prendre un bloc d'herbe. Et au niveau de l'agriculture, s'il vous plaît, il nous faut des eaux. Voilà, parfait. Let's go. Alors, slash, yes, les gens... On est pas mal, je crois que là, il y a moyen de faire quand même quelque chose. Donc, cobblestone, c'est parti. Déjà, on va se crafter un four. Voilà, parfait. A savoir que là, on va un peu faire un peu le fou dans le sens où notre sol, ça va être de la cobble. Voilà. Alors, ne pas mourir, hein, c'est important. Sachant qu'on est au-dessus du vide, si on perd notre seau de lave, ça sera un peu le comble du comble. Alors,
Je réfléchis une seconde. Là, on va poser notre seau de lave. Voilà. 1, 2. Oh, c'est embêtant. Attendez. On va récupérer notre seau d'eau. Voilà, génial. Alors, comment on va faire ? Faut pas tomber. Tac. Excusez-moi pour le rhume super dégueulasse. Mais oui, bien sûr. Voilà, alors tac, tac. Ok. On récupère ça. Mais on est déjà quand même là. Bon. Ce qu'on va faire, c'est récupérer ça. En vrai, on va retourner au spawn, les gens. On va encore faire un petit massacre de quelques vaches pour avoir du viande, de la viande. Alors, elles sont où les vaches? Elles sont quelque part par là. Oh, mais en plus, ça spawn vraiment masse, ça c'est cool. Bon, au moins, vous avez vu le bon plan. Si jamais vous commencez, vous pouvez vous mettre bien juste ici. Alors, on va peut-être essayer d'en avoir 32 directement. Voilà, on va essayer de looter 32 morceaux de bœuf. 28, 30, un dernier peut-être ici. Et voilà, c'est parfait. Allez, en avant la musique. On va se prendre encore quelques blocs de cobble. Alors, c'était pas là, c'était ici. D'accord, alors d'abord, il faudrait peut-être vendre nos loots de viande. Voilà. Tac. Alors, c'était là. Donc deux blocs, ça nous fait un stack, slash, yes, on est parti, on termine rapidement s'il vous plaît, cette machine à cobblestone, j'aimerais bien pouvoir la finir dans cet épisode. Alors, si là t'as la lave, il faudrait qu'en fait, tu aies l'eau qui soit quelque part par là. Donc genre, un truc comme ça, tu vois, un truc bien propre, voilà. Alors, ça va pas marcher comme je le sens. Voilà, on va éviter. Sinon, on va encore perdre notre seau d'eau. Ça sera un peu embêtant. Alors, si ça se trouve, c'était en fait juste un cran au-dessus. Non, mais. Non. Pourquoi je ne suis pas aimé comme ça? Pourquoi? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Bon, alors, on recommence une dernière fois. On va y arriver. Oh, ok. On a failli mourir vraiment méchamment. Non, alors c'est pas ce que je veux faire. Voilà, alors ça sera quelque chose comme ça. On ferme encore là derrière. Alors, si on pose l'eau comme ceci. Voilà, ok, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a notre machine, les gens. Je crois qu'on a notre machine à cobble. Je suis presque sûr. Et ben voilà, c'est parfait, les gens. Enfin, on peut faire quelque chose. Bon, alors on va juste terminer du coup ce 64 cobble. On va terminer notre premier challenge, les gens. Alors, est-ce qu'on a déjà notre four? Ouais, parfait. Mais attendez voir du coup si on a déjà notre four. On peut aussi terminer un autre challenge là en cache. On va faire un charbon de bois et après on va faire cuire un peu notre sable. Allez, il nous manque plus que 3 cobbles. On va quand même terminer quelques challenges dans ce premier épisode, les gens. Ça fait plaisir, on a réussi. Malgré tous nos exploits. Alors, cobblestone, c'est fini. On a gagné 30 d'expérience et 4 pépites d'or. Donc, on va les poser là-dedans. On regardera ça ensemble dans le prochain épisode. Un charbon de bois. On va faire cuire un sable. Avec ça, on va également faire cuire les minerais de fer qu'on a, si c'est possible. Au pire, on posera une autre boîte de sapin. Voilà, un verre. Alors, slash challenge, on termine aussi le truc des verres. Et ça nous fait encore 4 pépites, ça nous fait 8 pépites, les gens. Et donc, du coup, on utilisera ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de The Skyblock Hardcore vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À RIPR, cette plante qui était quand même bien poussée, et puis que je viens de détruire sauvagement. Et donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos d'ici à garder la forme. C'était Mage, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!